On vous attend tous le samedi 20 et le dimanche 21 mai à un jardin dans la ville. Saint-Dié-des-Vosges, centre-ville, c'est gratuit, tout le monde est invité avec grand plaisir. Plein de nouveautés, plein de démonstrations, plein de gens qui exposent. Venez, venez. Le stationnement sera gratuit tout le week-end, tout au moins tout le samedi. Et donc la nouveauté, c'est d'investir le parc Jean Mansuy avec des diverses animations, une présentation d'Agility par le club canin de Saint-Dié, un toboggan structure gonflable gratuit pour les enfants. Et donc plus rien cette année, place du marché. Uniquement rue Thiers, place du Général de Gaulle et parc Jean Mansuy. Il y aura en plus des voitures anciennes. Cette année, on a une dizaine de tracteurs anciens prêté par un collectionneur local qui viendra exposer ses tracteurs au centre-ville. Et une nouveauté, la création des jardins. Nous avons des communes de l'agglomération qui participeront sur la place de la Charles de Gaulle au thème l'imaginaire au jardin avec des objets détournés. Je pense que ça va être très original. Nous allons continuer à animer la ville le mercredi 21 juin pour la fête de la musique. L'UDAC sera présent de Place Saint-Martin. Ensuite, nous allons enclencher avec les repas-concerts du 23 juin au 25 août, tous les vendredis soirs, Place Charles de Gaulle. Et ensuite, l'UDAC organisera le troisième salon du mariage, la deuxième nuit des commerçants et le grand jeu de Noël, où on vous réserve des surprises pour ce jeu et d'autres manifestations qui se grefferont sur celle-ci.